J'ai utilisé depuis très longtemps une phrase, quelque chose commença qui était déjà là. Et ça, je l'ai toujours pris comme une citation pour beaucoup de mes projets. Je trouve cette torsion, quelque chose commença qui était déjà là. Je suis allé en Italie quand j'étais en première année de l'école d'architecture. Et là, j'ai compris, en Toscane, cet enchaînement des terrasses agricoles vers les jardins et vers la ville, qu'il n'y avait pas un intérieur, un extérieur, que c'était une continuité. Et ça ne m'a jamais quitté. Le paysage n'est pas quelque chose qu'on voit seulement, c'est quelque chose qu'on marche, qu'on expérience. Par essence, c'est un art de l'expérience, l'architecture. On en fait le moins possible. On fait ce qui est nécessaire. On le fait avec une certaine force, pour ne pas dire brutalité, pour provoquer ce renouvellement de l'émotion, c'est-à-dire sur des paysages trop vus, des images trop vues, quelque chose vient faire interrogation. À partir d'un plot de ciment, la structure la plus élémentaire, c'est simplement dans la manière d'assembler les plots, de laisser un joint à fleur au creux, qu'on va initier une poésie. Les poètes n'inventent pas des nouveaux mots. C'est la réorganisation des mots qui fait la poésie. L'implicite, le non-dit de ce projet, de ce concours, c'était vous enlever, vous détruisez ce canal et vous remettez la rivière dans ses anciens méandres. C'était ça. Nous avons dit d'accord, mais il faut laisser la trace d'un avant, et la rivière déplacée parallèlement au canal devenait solution. Mais cette solution laissait voir le problème. Cette rivière a été canalisée pour de bonnes raisons, éviter les crues, donc pour préserver les terres agricoles qui n'avaient pas le rendement ni les machines qu'on a maintenant. Dans une rivière, ce qui compte, c'est les échanges entre la rivière et puis ce qu'il y a dessous. Donc, quand vous mettez ça dans un canal étanche, c'est un désastre écologique. Le but de ce projet, c'était vraiment de revitaliser cette rivière et cette innovation du traçage de ces sillons en losange. Il n'est là que pour un effet déclencheur. Par ces sillons multiples, elle peut choisir encore son cours, mais on l'aide à choisir. C'est un paradoxe un peu. Plus la forme est précise, plus la rivière est libre de choisir son cours. Cette espèce d'étincelle, une retrouvaille de l'histoire d'un territoire, mais aussi de toute la beauté de ce monde fragile, toute la fragile beauté de ce monde. C'est ça, pour moi, le succès de ce projet. Et nous avons aidé le vivant à faire ce que seul lui-même peut faire. Ce qui doit nous guider dans la quatrième étape, c'est cette même alerte, être aux aguets de ce que le terrain va nous suggérer. Mon premier rapport à l'art, ça a été moi-même qui dessinais, quoi. Le dessin, à mon avis, est une des plus belles manières de... dans la profusion du monde, de clarifier des lignes de force. Avec un peu d'expérience, on peut voir dans un paysage, dans un bâtiment, là où le déplacement peut être opéré. Et puis il y a des moments où le dessin vient, c'est presque comme une respiration, le dessin apparaît très vite. C'est comme si ton dessin comprenait avant toi ce qu'il fallait faire.